Mais nos parents ont travaillé dans le travail forcé. Après l'esclavage, on a créé ces colonies-là qui étaient... peut-être qu'on a parlé de l'abolition de l'esclavage dans les Antilles. Mais après, on a créé ces colonies qui étaient encore la suite de l'esclavage. Parce que nos parents, ils ont travaillé comme... ils ont fait des travaux forcés. Parce que je n'oublierai jamais que le chemin de fer sur lequel circule aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun paye encore les dettes parce que c'est le chemin de fer français. Pourtant, nos parents, ils ont travaillé gratuitement. Ils n'ont jamais été payés. C'était les travaux forcés, on appelait ça un djok. C'est-à-dire qu'après l'esclavage aboli, la pseudo-esclavage aboli, on a créé des réserves en Afrique. Et bien voilà. Et nous continuons de le vivre. Parce qu'on n'est jamais sorti de là. Et donc, vous voyez, nous continuons. Bon, l'essentiel, c'est de vivre et d'apporter à nos enfants quand même un espoir et la force. Et les réalités sont là. Peu importe si on arrive là, ce n'est pas parce qu'on est très malheureux chez nous, c'est justement parce qu'on crée la misère. C'est fabriqué de cette manière-là. Donc, qu'on puisse revenir pour dire après la colonisation et machin. Mais c'est trop. C'est trop. On est arrivé déjà au bout de tout ça. On connaît déjà toute la manipulation. On en a marre. Mais ce que l'homme oublie, c'est que la nature régule. Et comme je dis souvent, Dieu n'a pas créé l'univers dans la lumière. La lumière est une couleur de circonstance, parce que la couleur d'origine, c'est le noir. Alors, je pense pour moi que tant qu'il n'y a pas de noir, il n'y aura jamais de lumière. Moi, c'est quoi? Moi, c'est quoi? Moi, c'est...
L'armée ne fait pas de quartier. Les cadavres sont exposés dans les villages, de même que les têtes des prisonniers qui ont été décapités. Le soir, les convois des militaires reviennent, remplis des têtes qui sont déversées et exposées au carrefour qui deviendra le carrefour des maquisards. C'est aussi là que les exécutions ont lieu. À son retour, papa n'était qu'un témoin renvoyé par Dieu pour témoigner de ce qu'est l'horreur coloniale, l'hitlérisme version tropicale. Il parlait tout seul, il se défendait, ne sortait pas. Son corps était présent, mais sa personne, son esprit, sa personnalité étaient restés dans les camps de la mort. D'autres ont été tatoués et renvoyés à l'ouest, où les massacres et les entassements dans les camps faisaient rage. A-t-on compté ceux qui mouraient dans les camps de concentration? Ceux des camps d'extermination, BBM, Yoko, tous les camps militaires de l'ouest? Quelle est la période retenue? La période des bombardements et du déversement du napalm? Ou la période de la terreur. Noir. Noir. C'est quoi? C'est une couleur? Noir. Qu'est-ce que c'est? Être noir, c'est quoi? À quoi ça renvoie? Nous, les descendants de cette histoire, on n'a pas de réponse, mais on a des questions, plus de questions. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? À quoi nous identifions-nous? Quelle est notre référence? Notre histoire? Nos ancêtres? La loi? Quoi? Mais où? Où? Où allons-nous? Où allons-nous nous retrouver? Vers quelle terre allons-nous nous diriger? À quoi sommes-nous destinés? Intégration? C'est quoi? Intégration, qu'est-ce que c'est? Noir. Intégration noire. C'est quoi noir? On a plus de questions. C'est quoi noir? Noir, noir, noir. Dans quelle rue devons-nous nous promener sans être pointé du doigt? Sur quel banc devons-nous nous asseoir sans être chassé? Quelle profession devons-nous embrasser? Noir. Artiste noir. Artiste noir, c'est quoi? Un artiste noir. C'est quoi? Et le rituel? C'est la mémoire? C'est se plaindre? C'est quoi? Pourquoi seuls les noirs sont noirs? Les autres sont des gens. Toi, qu'est-ce que tu es toi? Toi, oui, toi. Tu es quoi?
Moi, je suis noire. Et je dois faire avec. Être noire. C'est bien beau, c'est facile. De me pointer du doigt, de me crier dessus. Mais juste que c'est pas toi qui es noire, mais moi. C'est moi. Noir. C'est quoi noir? C'est quoi noir? C'est quoi? C'est l'histoire? La mémoire? Noir. C'est quoi noir? Beaucoup de questions. Plus d'interrogations. Mais noir. C'est cool. C'est fun. Mais c'est noir. Mais c'est quoi noir? Noir. C'est quoi? Noir. 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 C'est quoi? C'est l'Afrique? C'est l'Amérique? Mais c'est noir. Mais c'est quoi? Noir, c'est quoi? Je veux juste savoir. Noir. C'est quoi noir? C'est quoi noir? C'est quoi noir? C'est la mémoire? C'est l'histoire? Noir, c'est quoi? Noir. Sur quel banc ai-je le droit de m'asseoir? Dans quelle case ai-je le droit de me caser? Noir. Noir. C'est beau, non, noir? Mais c'est quoi? C'est quoi, noir? C'est quoi? Noir. C'est quoi? Toi, tu es quoi? Toi, oui, toi, tu es quoi? Dis-moi, t'es quoi? Noir. Après, chacun a son noir. Chacun est noir. Chacun sait le noir. Mais le noir, c'est quoi? Noir. C'est quoi noir? C'est quoi noir? C'est moi? Ok. Mais moi, c'est quoi? Le noir. C'est qui, c'est quoi? Noir. C'est quoi noir? C'est quoi noir?